Bienvenue aujourd'hui dans 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons bien sûr comprendre cette expression du quotidien qui ne quitte pas notre bouche. Oui, à moins que si vous manquez du téléphone. Alors, est-ce que vous aimez bien la musique? Parce que les artistes ont aussi compris cette expression du quotidien. Ah oui, les artistes musiciens. Voici le stray de Charles Mumbaya qui nous dit « Allô, 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 téléphone !» Allô, 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 téléphone. Oui. Allô, 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 téléphone. Oui. Et où t'es là, Lola? Tobongo la mité, maman, kole, kozonga, kolo, yesu, bagu, yungu, la bisona, mou, yungu, le baya, ya. Et là, c'est Zao qui vient, qui nous chante. Allô, allô. Allô, allô. Les supérieurs de tomber, allô. Voilà, c'est bien sûr votre détente musicale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette expression « allô ». Quand on vous appelle avant de répondre à votre conversation, avant de répondre et de commencer votre conversation téléphonique, vous commencez par « allô ». Mais « allô » est devenue une expression qui déjà, cette réflexe, ne nous quitte pas la tête. Quand nous avons un appel téléphonique, nous avons toujours l'impression de pouvoir dire « allô » avant cette conversation téléphonique. Alors ici, le dictionnaire Le Larousse les définit joliment comme un appel préparatoire à une conversation téléphonique. Ah oui, on comprend bien, c'est un appel préparatoire à une conversation téléphonique, mais encore beaucoup plus, qu'est-ce que ça signifie? Remontons un peu à l'histoire. Dans l'histoire, c'était en avril 1987, plus que l'inventaire du central téléphonique, Tivadar Puskás, était hongrois. Alors, lors du premier test de mise en ligne de ces centrales téléphoniques, packaged into two tunnels originally intended for a new tube route. Working to a waste not, want not principle, the GPO got busy. Now this is the only train to be seen. The exchange contains all the equipment needed for the automatic routing of calls on 6,600 trunk lines between the capital and other centers throughout the British Isles. It can handle 6,000 calls at once and carries almost 2 million a week. And that's a lot of STD. In addition, the unit has its own emergency power generating plant, is fully air conditioned, and has an independent water supply. Almost a home from home for its 200 strong staff, who incidentally are almost never off sick. Ideally maintained temperature and humidity does them a power of good. It seems that while the GPO goes down, their charges go up. Il a bien demandé à son ami. À l'ode, tu m'entends. Et l'autre a dit, à l'homme, je t'entends. Avant d'ajouter à l'eau avec un H. Avant. Alors, les Français l'ont bien planifié afin de pouvoir simplifier les choses. On enlève les H et on reste avec A-L-L-O. Et l'Académie française vous exige d'avoir et de mettre l'accent circonflexe sur le O. Et si ça signifie quoi? Avant de vous donner certainement la signification, nous voulons aussi vous dire que allô n'est pas dans tous les pays. Alors, parce que les Espagnols, quand ils répondent au téléphone, ils disent diga. Et alors, les Japonais, ils vont dire moshi moshi. Et les Italiens, c'est pronto. C'est un peu marrant. Alors, pourquoi dit-on allô quand on répond à un appel téléphonique? Alors, ça veut dire que quand vous dites allô, avant de commencer à parler, vous dites allô, vous êtes en train de demander à votre interlocuteur, est-ce que tu es en ligne? Parce que moi, je suis en ligne. Est-ce que tu m'écoutes? Si lui aussi vous répond par allô, ça veut dire qu'il est en ligne. Il vous dit, je t'écoute. Et là, vous pouvez maintenant commencer votre conversation téléphonique. Donc, allô signifie tu m'écoutes. Et quand l'interlocuteur répond aussi par allô, ça signifie je t'écoute. Alors, vous n'avez pas de téléphone? Prenez le téléphone de quelqu'un d'autre et dites ensemble avec nous ici allô, pronto, moshi moshi, diga. Au revoir.